Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot, un tarot auto-publié que j'ai euh, acheté euh, sur le site Le Salon des Arcanes hein, qui nous propose euh, bah, tout le temps de magnifiques jeux euh, auto-édités et aussi euh, certains mass-market comme USG. Voilà, euh, c'est un jeu que je ne connaissais pas du tout, euh, je ne l'avais jamais vu avant, euh, c'est le Monsoon euh, Tarot. Euh, si je ne dis pas de bêtises, de Vermillon Édition, mais ça, on verra à l'intérieur si on le voit quelque part parce que je ne suis pas vraiment sûre. Donc, c'est les mêmes euh, créateurs qui ont fait le Silhouette Tarot que je connaissais déjà depuis quelques années, hein, que je vous présenterai aussi. Voilà. Donc, j'ai craqué pour celui-ci. J'adore ici euh, le reflet argenté. J'ai pris la version classique, à savoir que sur le site du Roi de Coupe, il était proposé en mini, mais mini, mini, hein, très très petit. Cette version aussi classique avec une tube box et une édition limitée. Euh, moi j'ai pris la version classique qui était quand même à 60 euros plus frais de port. Euh, je trouvais que bah, l'édition limitée euh, c'était juste parce qu'elle avait une boîte en dur et des tranches holographiques. Elle passait directement à 71 et euros et je me suis dit euh, ma foi je, pour une fois j'étais raisonnable. Voilà <laughs> j'ai pris la classique. Voilà donc euh, ben, voilà déjà pour l'illustration. C'est un jeu euh, euh, qui est inspiré bah, des rêves hein, de l'univers onirique avec des tons euh, pastels à faible saturation, comme ils appellent ça. Donc vous voyez, j'adore cet effet argenté. Je vous montre quand même euh, les côtés. Là aussi, on a de l'argenté holographique, même très joli. Voilà, donc c'est un jeu qui suit euh, le Rider Waite quand même. Hein. Euh, et il est numéroté. Voilà, moi j'ai le 1143 sur 1400. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc c'est une tube box. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur dans la durée, hein, parce que déjà j'ai eu beaucoup de mal à l'ouvrir et bon voilà. Mais bon, c'était mon choix de prendre la tube box. Rien ne m'empêche de les retirer, de les mettre dans un pochon et de mettre la boîte à l'abri. Hein. Bon et en général, honnêtement, les jeux, je les utilise rarement de façon intensive hein, perso. Je vous savez, j'en ai tellement que ben, c'est rare que je sors un jeu 100 fois de sa boîte. Hein. Euh, J'aime bien varier aussi. Donc, voilà le dos. On va d'abord regarder. Il y a un, euh, un guidebook avec. En noir et blanc. En anglais. Voilà. En anglais et ma foi en japonais. Je dirais. Vu que c'est un jeu japonais. Et vous voyez par exemple pour le fou. Vous avez quelques mots-clés. Il n'y a, a pas grand chose ma foi. Euh, dans le livret. Euh, quelques mots-clés. C'est super facile à traduire avec Google Traduction. Hein. C'est euh, vraiment pas avec ça qu'on qu va avoir des soucis. Voilà, il n'y a pas de tirage non plus proposé. Euh, donc vous voyez avec ça, euh, ma foi, euh, bon, on sait facilement le traduire. Donc on ne va pas s'arrêter à ça euh, pour euh, l'anglais. Parce que les titres des cartes, euh, en plus, sont euh, en anglais, mais ça reste un rider classique. Voilà pour le dos, je vous le montre. Hein, il est réversible. Euh, cet infini euh, Linen. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, vous le voyez. Vous voyez, avec des lignes, c'est indéfini, les plus solides. C'est assez, euh, comment dire, saisissant. Quand moi je l'ai tenu, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est fin. Euh, ça paraît très fin, mais le linol, c'est hyper. Euh, ben en général, c'est hyper solide, quoi. Voilà, les tranches sont neutres. Ici, il y a l'autre version, euh, les tranches sont euh, holographiques. C'est, ma foi, certes, très joli, mais bon. Et euh, je vais les déposer, j'aurais pu simple, je crois. Et voilà pour les illustrations. Euh, moi, je le trouve magnifique. Donc, il n'y a pas de bordure. On a juste ici le numéro et le titre. Apparemment, il y a un, un petit chouïa. Euh bah de, de nuances entre cette version-ci, l'édition limitée. Moi, je vous avoue, j'ai regardé la présentation du Salon des Arcanes, parce qu'il a une chaîne YouTube. Hein. Allez vous abonner euh, si ce n'est pas encore fait, où il présente les jeux. Bien que c'est dangereux de s'abonner, hein, 70 ans après. <laughs> mais ben, je n'ai pas vraiment vu euh, à l'écran que c'était très flagrant. Voilà. Donc, ici, on a le fou. J'aime beaucoup l'idée. Ça fait un peu penser euh, quand il sort du placard de Narnia. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais. Le magicien et les illustrations sont magnifiques. Vraiment. J'ai eu un coup de cœur dès que je l'ai aperçu. La grande prêtresse. L'impératrice, elle est magnifique aussi. Regardez. Je vous le mets un peu plus près. Et ces petits oiseaux. Il y a des jeux comme ça. Hein. L'empereur, à savoir que la version limitée, il a été dévalisé. Euh, visiblement il y a plus de personnes enfin il avait moins d'exemplaires de ce qu'il a dit de l'édition limitée donc ils sont tous partis euh, celle-ci est encore de stock la classique, la mini me semble aussi euh, voilà, comme ça si jamais il vous tente si jamais vous voulez l'édition limitée une semble avoir vu qu'il en avait recommandé ici on a le hiérophante celle-ci regardez comme elle est magnifique les amoureux wow, on a la pomme ici regardez avec on dirait une clé ou une flèche et ici, on a... On dirait F. Elle est trop, trop, trop jolie. S'il veut bien faire son focus. Il a vraiment un univers féerique. Et il a une particularité, figurez-vous, qu'il y a certains personnages qui n'ont pas de visage. Vous allez me dire, oui, mais tu dis toujours que tu n'aimes pas... Ben oui, c'est vrai. Mais ici, ça ne me gêne pas, bizarrement. Ici, la force, regardez comme c'est spécial. Sa tête, c'est un cube. On, on se plonge, du coup, dans l'univers... Onirika, hein. ici on a l'ermite, elle est canonissime. On voit le château là, qui est en train de brûler au loin. L'ermite qui lui, euh, on dirait qu'elle n'en a rien à caler. Euh, lui, il se repose dans sa bulle, entouré de tous ses bouquins. Euh, et ça a pas l'air de le tracasser, euh, que là-bas, le... c'est presque la guerre. Hein. Et sur ses, sur ses genoux, il a un petit serpent qui a l'air de dormir avec lui. Elle est magnifique cette carte. Ça c'est celle du coup de la boîte, la roue de fortune avec des chats, avec un fil, ce pinceau fil d'Ariane, illuminé, magnifique. La justice, elle est très très jolie aussi. Celle-ci aussi, le pendu, j'adore, avec euh, bah, cette petite fée ou ce petit lutin ici. On voit un appareil photo. Hmm, bien que, on dirait plutôt un robot, même parce qu'on a une main ici, donc ça pourrait même être un robot. J'adore celle-ci. Euh, moi, j'adore la mort. Vous allez me dire, pourrait peut-être effrayer certains hein, qui n'aiment pas les squelettes. Bon, vous connaissez euh. maintenant euh, mon amour pour euh, bah, tout ce qui est squelette, machin. Euh, je la trouve tellement jolie, magnifique, vraiment. La tempérance, regardez celle-ci aussi. Quelle est jolie. Avec ces chats ici. Oh magnifique. Apparemment il y a des symboles de, de la cabale, de l'art de vie aussi. Bon moi je ne suis pas trop calée là-dedans. Donc si on a le diable. La tour, j'aime bien ici avec le échec et mat, avec l'idée de la tour dans les échecs. L'étoile, celle-là aussi, elle est canon. Regardez le visage ici. Et là, le village illuminé. Magnifique. Voilà, par exemple, ici, la lune, oh, il n'a pas de visage, vous voyez Mais Il y en a où c'est vraiment brouillé, comme vous savez quand on jette un caillou dans l'eau et qu'il y a des, des ronds à bas comme ça. Et là, derrière, on a un berceau avec un, un serpent qui vient jeter un œil. Et lui, part avec l'œuf, donc on pourrait penser qu'il se barre avec l'œuf du serpent. Peut-être. Le soleil, celle-ci aussi, elle est jolie. Oh, elle est jolie, tout plein. Avec ici, une père, je dirais la maman, peut-être qui joue avec un chien au soleil. Et la petite fille qui fait coucou. J'aime vraiment beaucoup jouer jeu. Le jugement, ici, avec des signes. Trop joli aussi. Et le monde. Magnifique. On a une patte ici, vous voyez Pâte de chat. Ou... Là, elle a un nid sur sa tête. Elle est entourée d'œufs. Et on a des chats ici. Moi, je les avais pas repérés et ici. On a des chats. Et on se doute qu'il y en a au-dessus aussi, du coup. Alors, ensuite, on a hum, la série. Euh, c'est pas repris par euh, bâton, coupe, épée et denier, mais ça est repris par les éléments. Mais c'est pas compliqué. Hein. Euh, par exemple, ici, si on a le feu. On sait que le feu c'est les bâtons. Donc, on a l'as de bâton, de feu, du coup. Le 2 de feu magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu et les petits personnages, regardez ici. Comment j'ai fait pour ne pas le voir avant Le 3. Le 4, voyez oui, ici par exemple, l'exemple, avec les visages brouillés. Ben, ça ne me pose pas trop de problème ben, eux aussi d'ailleurs. Devant. Et c'est pas pour toutes les cartes non plus. Il euh, n'y a rien d'écrit dans le guidebook, donc voilà. Euh, le 4 de feu. Ici aussi, ils ont le, le visage brouillé, le 5. Avec l'idée euh, de la bataille de Polochon. Le 6. Il, est, il fait rêver, je, vraiment. Le 7. Bon, là, euh, elle a vraiment le visage brouillé. Hein. Plein de symboles aussi. Hein. On voit des, des signes ici. L'élément. Celle-là, forcément, pensez bien que je l'adore. Le 8 qui représente bah, la, la vitesse avec ses sorcières qui chevauchent leur balai dans le ciel, forcément, j'adore. Le 9 ici. Avec le bébé qui n'a pas de visage non plus. Je me demande bien pourquoi. Le 10 avec qui tient des champignons. Le page avec sa robe en racine, c'est trop, trop, trop joli. Le chevalier avec sa banderole qui prend feu, avec marqué chevalier ch de feu. La reine magnifique, on reconnaît hein, le bélier là. Ici, des échecs. Et on a le roi de feu tout fou, tout flamme une flèche dans la main d'ailleurs ensuite on a le la série de l'air donc des épées du coup hein, avec l'as d'air l'as d'épée le 2 on reconnaît bien avec le bandeau si hein. on se doute qu'elle a le choix hein, entre les ciseaux ou euh, la clé va falloir choisir le 3 elle est belle aussi celle-ci elle est sombre mais elle est jolie oui on a à chaque fois le symbole là de l'élément on le retrouve sur toutes les cartes ici il est là là on a le, le 4 le 5 celle ci est triste hein, avec la créature qui est morte et ici on a aussi là le signe de je sais plus ce que c'est ce signe la honte à moi c'est pas les, les gémeaux les poissons je sais plus et là, le symbole féminin, là, on retrouve le signe du de l'air. Le 6. est sur son lit, on a vraiment l'impression qu'elle est en train de rêver. Hein. Le 7. Avec l'épée. Bon, ça fait penser à Excalibur tout de suite. Le 8. Et les couleurs sont très belles aussi, celle-ci, elle fait flipper. Hein. Le 9. On me dirait qu'elle est euh, C'est une abeille, elle a une jambe de bois. Elle fait un peu flipper celle-là, j'avoue. Bon, C'est la carte qui fait flipper hein. le 9 d'épée. C'est réussi. Le 10, ici avec son cœur qui brûle. Le page, elle est trop jolie aussi, celle-ci. Magnifique. Le chevalier. Désolé, hein, c'est le train qui passe. Euh, la reine Je suis de nouveau dans ma véranda. C'est pour ça. <laughs> le roi, regardez ici celle-ci, avec son chat et ici l'oiseau. Il est. est il C'est pas un défaut dans la carte. C'est comme s'il était trouble. C'est bien réalisé, comme s'il passait tellement vite qu'il était trouble. Puis on a la série euh, de l'eau euh, pour les coupes, du coup, hein, avec l'as. Si on voit, elle mange une pomme. L'as d'eau, l'as de coupe. Celle-là est trop jolie aussi, le 2. Et ici, on trouve aussi la pomme dorée. J'aime bien le dit du, du village là-bas derrière. Le 3, celle-là aussi est magnifique. Et là, ils ont des visages, vous voyez Bon, j'avoue, j'aurais préféré qu'ils avaient tous des visages, hein, parce qu'ils sont très beaux en plus, hein, mais ça ne me gêne pas plus que ça. Peut-être parce que tout le tarot n'est pas comme ça. Le 4. Le 5, si on voit qu'elle pleure toutes les larmes de son corps, la pauvre. Le 6, elle est très belle aussi, celle-ci. Petit côté euh, manga aussi hein, pour certains personnages. Le 7. Bon ici on a l'impression qu'elle est arrivée et qu'elle est morte et qu'on est venu euh, la chercher. Du moins c'est ce que moi j'en pense. Hein. Le 8. Hum, c'est aussi est joli le 9. Avec les petits bateaux de papier. Le 10. Le page avec ses bretelles et son chapeau, ça fait très euh, époque d'avant, ça j'aime beaucoup. Un peu Gavroche. Si c'est très spécial, hein, on a l'œuf qui est et ça fait sortir euh, de l'eau et c'est comme si ben, c'est une silhouette de fille. C'est très spécial. Hein. Le chevalier, donc ça c'est le page, hein, ouais, le chevalier. Ah, celle-ci elle est canon hein, la reine regardez elle, elle boit son elle boit ici on dirait le thé avec son chat les traits sont très fins aussi c'est vraiment beau et ici on a le roi et on termine avec la série de terre pour les deniers avec l'as de terre pour les deniers elle est magnifique aussi coup de cœur pour ce jeu le 2 Celle-ci, elle me fait penser au tarot Histoire de sorcière avec les trois sorcières euh, qui sont justement en train de noter des trucs sur un tableau. Ça m'y fait vraiment penser. Alors, celle-là, j'adore aussi, le 4, avec ce petit hérisson dans son petit trou-là avec ses, ses récoltes. Elle est trop mignonne. Il n'a pas de visage non plus. Le 5. Avec un loup, regardez. Et là, on voit une ombre qui est couchée. Il est blessé, d'ailleurs. Celle-ci aussi, hein, le 6, c'est magnifique. La petite souris, son bouton. Oh, J'adore. Le 7. Le 8. Ici, on a l'impression que j'essaye toutes les clés pour trouver celle du cadenas. Le 9, avec sa, sa robe, ça me fait penser à un sapin de Noël. Avec tous les cadeaux et les guirlandes. Très joli aussi. Le 10, avec l'idée d'abondance. Il y a plein de plateaux, plein de pain, de nourriture. Le page, elle est belle aussi, celle-ci. Bah, franchement, j'aime beaucoup. Le chevalier, le cavalier. La reine, magnifique. Avec un, un nid sur sa tête, avec des œufs. Et on termine avec le roi a aussi des chats près de lui il est beau hein vraiment beau et on a deux cartes supplémentaires une carte qui s'appelle origine voilà ça c'est vraiment une carte en plus et alors on a une carte pour rem... on peut choisir pour remplacer euh, la justice voilà et ils ont été malins euh, je sais pas pourquoi euh... Il n'y a pas de numéro sur celle-là, ma foi. Ou alors, ça peut être une carte supplémentaire. Mais elle est super jolie aussi, quoi. Avec ce ciseau. Voilà. Donc, soit c'est une carte qui pourrait remplacer celle-ci, soit c'est une, une carte additionnelle. Voilà. Euh, ça dépend de ce que vous préférez. Voilà pour ce magnifique monsoon tarot. Je suis curieuse d'avoir vos avis et de voir ce que vous en pensez. Euh, bah, si vous aussi vous le trouvez magnifique, euh, si vous l'avez déjà vu passer, si vous l'avez aussi pourquoi pas, euh, si vous aimez euh, ce style d'illustration ou si les, les, les villages, ou si les visages euh, comme ça floutés, euh, ça vous pose problème. Dites-moi tout dans les commentaires, parce que, comme ça on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la barre de description euh, vers la boutique du salon des arcanes si jamais vous voulez vous le procurer. Comme ça, vous n'aurez qu'à euh, cliquer, euh, cliquer dessus euh, pour être dirigé vers la boutique de Nicolas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous